plume and the pistol. A fitting end to my folly and a curse upon us all. Ah, toujours la joie. On est en train de faire cuire un cochon. Bienvenue, on retourne dans notre fabuleux monde qui est Darkest Dungeon, ma nouvelle addiction. Addiction ? Ouais. Ah, c'est des mots, hein. Au bout d'un moment, on prend les mots, on les dit, on fait ce qu'on veut, on parle en français, en anglais, on mélange tout. Et tout le monde comprend, c'est magnifique. Magnifique. On est reparti, donc la dernière fois, j'avais fait une équipe. Le dernier épisode a été assez rapide. On avait fait deux trucs, c'est super bien passé. Y a pas grand chose à dire. Donc on voulait faire ça, je crois. Récupérer le sceau de martyr. Qui est honnêtement très bon. Qui est honnêtement très bon dans tous les sens du terme. Il y a que du positif. Bon, à part le côté où il faut être en agonie, si vraiment on veut l'utiliser. Mais rien que si vous avez rien à mettre, vous mettez ça, PV max plus 15%, quoi. Voilà, donc c'est bien. Très rare. Ah ouais, non, on est bon, on a une équipe. Toi, t'as rien pour l'instant à garder. Par contre, on a plein de trucs à jeter si jamais. Là, t'as rien à garder non plus. Là non plus. Et là non plus. Oui, enfin, t'as la spiritualité à la limite. Qui peut être intéressant, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Là, on a l'AOE. Et on a... Ok. On est bon. C'est l'heure d'équiper nos gens. Alors, toi, on veut que t'ailles vite. Toi, on veut que t'ailles vite, tu sois résistant. Donc, comme d'habitude, ça, c'est pas mal. Comme d'habitude. Alors, vitesse 2... Et esquive. Comme ça, tu restes en vie. Ah, après, on a ça. Esquive. Ah oui, mais toi, tu peux faire quand même des dégâts. Esquive 8. Attends. Quoi? Coup fatal, esquive 5. Non, c'est mieux ça. Qu'est-ce que je raconte? Oui, non, 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 c'est très bien ça. vitesse 8. Ouais, très bien. Après, là, on voudrait du dégât. Toi, t'as de la vitesse, ça va. Alors, on voudrait du dégât. Alors, on pourrait faire un truc comme ça. On perd... on était quoi? 38? Ouais. Donc, c'est que 3 points. Là, on a de l'esquive... Là, on a du crit. Du crit. Dégâts et précision. Par contre, il a zéro protection. Il a surtout de l'esquive, en fait, tout simplement. Je pense que ça devrait aller. Là, t'as quoi? T'as du stress, PV, protection. Six. Non, il faut quand même plus de vitesse que ça. Alors, précision et crit, peut-être. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'objets en fait à double tranchant. Je suis pas trop fan, on va dire. Je suis pas trop fan de ça. On n'avait pas un nano. Oui, on l'a mis, ok. Au sol.
Lui, il a un stress plus 1%, mais c'est celui-là qui va faire, il va tirer en fait tout le temps. Donc du coup, il va potentiellement tuer tout le monde. Donc toi, t'as pas de protection, mais en théorie, tu vas en prendre avec l'habilité, donc ça va. Bon, par contre, t'as plein d'HP, donc ça va. On a notre équipe, let's go, on va récupérer ça. Alors, tout est gratuit, c'est ça? Du coup, on en profite. Hein. Bah oui, non? De toute façon, ça, ça se renouvelle à chaque fois. Hein. Non? Ça sert à rien de les mettre dans l'ordre les trucs. Voilà. Voilà, tout gratuit. Ah mais j'ai déjà un stack de... Attendez, que j'ai fait de la merde, non? Ça, ça, ça. Oui, c'est par 4 les... machins. Les clés c'est par 6. Ok. Une teinture. Une teinture apaisante qui immunise l'esprit contre les horreurs des ténèbres. Je sais pas ce que c'est en fait. Allez, go. Je sais pas ce que c'est ça. Je crois que c'est quand on fait... on combat des monstres. Je sais pas. Pace out the halls of your lineage once familiar. Alors, on doit faire les pièces, ça va. On a le bon Hunter ? Ouais, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Porteur osseux. Ah, c'est un truc qui buff. Vu la gueule, ça doit être un truc qui buff. Wow ! What the fuck ? Ils sont tous buffés en dégâts. Oula, doucement. Oula, c'est quoi ça? Oh, tu les fais revenir! What the fuck? Ok. Mon dieu de... Je vais rien dire. Je vois. On n'a pas le truc pour l'attirer. Oh mon dieu. Mon dieu.
Your terrible assault cannot be left unanswered. Il nous faut le truc pour attirer, en fait. Sinon, on n'y arrivera jamais, en fait. C'est la première fois qu'on les combat, après, donc je les connais pas. Non ! Là, vous me foutez dans la merde, hein. Non mais sans déconner quoi. Putain de foutage de gueule, c'est ouf quoi. Pas vraiment ce que je voulais faire. Mais putain, mais tue-le, bordel de merde. Merci. Eh ben. Inspiration and improvement. On va essayer de soigner un peu, mais ça va être chaud. The light, the promise of safety. Ouais, de rapidement les tuer, ça marche. C'est la première fois qu'on le combattait. Première fois qu'on le combattait, le machin. Alors, on fait voir. Le couteau, à la limite, on va l'enlever. On va faire ça. Ouais. Comme ça, là, on fait des dégâts et là, on attire, en fait. Si jamais. Et là, on marque pour faire plus de dégâts avec... avec lui. Putain. Ça, c'est le premier combat, quoi. Mon dieu. Après, je savais pas comment ça fonctionnait, le machin. Là, là. Mais quand même, chaud. Un peu chaud. Ah, l'antiquaire, là, elle a pris cher. En plus, c'est de haut niveau, donc bon, elle stresse un peu plus. Ah, il y a ça, là. Mais t'es sans déconner. C'est quoi ce bordel?
incroyable. Eradicated. Je pense que lui, je peux le tuer. J'ai envie de tester, mais peut-être pas avec cette équipe. Non, ouais, non, peut-être pas avec cette équipe. Honnêtement, je testerais si j'avais une équipe de 5+ et peut-être. Ouais, non, 5+. Honnêtement, je le ferais. Ouais, je le ferais. Mais là, c'est un peu trop juste, en fait. Vu les combats qu'on se tape, c'est bon, quoi. Puis en plus, je crois que c'est un combat dans la nuit, automatiquement. Donc, ça ira, quoi. Trop de torches. Trop de torches. Je sais. Saphir 1000. On va attendre jusque par là. Je sais pas. On va voir le repérage. On va faire quoi déjà? Des pièces, ouais. Bien joué. Bien joué. C'est quoi ce donjon de merde? C'est quoi ce donjon de merde, honnêtement? Genre, pourquoi on a zéro chance? C'est incroyable, ça. May we find victory. On les prend jamais par surprise en plus, hein. Destroyed. Magnifique. Oh mon Dieu. Teetering on the brink, facing the abyss. Ok. Je sens que cette mission, on va la faire, on va se casser. Je vois pas pourquoi on loupe autant. Je vois pas pourquoi on loupe autant en fait. Genre au lieu de dégâts, il faut mettre la précision, c'est ça? Confidence surges as the enemy crumbles.
decisive pummeling. Press this advantage. Give them no quarter. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Mm-hmm. Putain, quel endroit de merde. C'est ouf. Donc ça, on peut faire deux pièces, trois. Là, il y a juste un seul combat. On campe maintenant. On va camper maintenant, je crois. A spark without kindling is a goal without hope. Moi. Nous reste deux. Une breloque, provision aléatoire. Bien envie de tester ça, voir ce que c'est. Ok, voilà, c'est pas mal. Voilà, ouais, c'est marrant. Eh ben, j'espère que. J'espère que ça va bien se passer parce que là, honnêtement, ça fait un peu peur. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Le combat, on va pas le faire. On va prendre la facilité. On va complètement en profiter. Putain, déjà quoi. Fou ça. Ah, ça c'est. C'est un buff ou c'est des objets? Je m'en rappelle plus. Ah bah attendez, on peut le voir là, c'est des objets. Pas mal. Yes! Nickel. Donc on peut directement tourner à gauche. Et on aura fini assez vite. Eh ben on va le mériter hein, ce win. Hein. Enfin, si on win. Par contre ça fait chier. Dégâts, vitesse, trace plus 10. Non mais sans déconner quoi. Mind that such missteps are the exception. Mais ils ont encore faim. C'est ouf, hein? Spirits are lifted, and purpose is made clear. Là, tu peux tirer où tu veux avec ça, je m'en rappelle jamais. Non, pas la première ligne, ok. Quakes.
20 de dégâts. Oh mon dieu de merde. There can be no hope in this hell. No hope at all. Festering fear consumes the mind. Très bien. Pourquoi lui ? Ça me gave d'une force. Ça me gave d'une force. Oh là là. Incroyable, incroyable. Puis en plus les dégâts ils sont pourris quoi. Après je sais qu'il a de la défense mais quand même. Genre les autres jouent mieux. Incroyable quand même. Aïe aïe aïe. Problème pour le soin là. Merde, j'ai ouvert avec Wealth beyond measure awarded to the brave and the foolhardy alike. J'aime bien parce qu'on peut genre on peut surprendre, on surprend très rarement aussi hein. Bon, sur les salles on a assez de chance quand même. J'avoue que sur les salles on a un peu de chance. C'est déjà bien. On n'a pas beaucoup de combats en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Merci. Merci d'avoir niqué nos dégâts. C'est sympa, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien de les avoir surpris. Non, il va se marquer. Mon dieu. Mortality clarified in a single strike. Il y a zéro esquive. Zéro esquive.
Incroyable, jamais vu ça. J'utilise les bandages, hein, parce que moi en fait j'ai des bandages, mais... Et merde, la mauvaise attaque. Faire voir en enfer. Tu viens de te couper ou quoi? Pourquoi tu fais pas ça en fait plus souvent? Bon, tu l'as fait sur le gros, j'avoue, une fois, mais bon. Non, va te faire mettre, quoi. Encore un peu de soin. Très bien. Creatures can be felled, they can be beaten. Peut-être avec de la chance, si on arrive à ça, on sera à 90%, non? 90%, ça veut pas dire que c'est tout le temps genre une pièce. Je crois bien. Ça a du sens ce que je dis? Coffre déverrouillé. Y a pas un truc avec ça? Non. Laden with loot are often low on supplies. Stack. On va devoir vite avancer. Yes! Let's go, on se casse. On se casse. Rien à foutre. Je reste pas du tout. Je reste pas. Pourquoi on avait du mal comme ça? Parce que ils étaient trop bas au niveau? Ils étaient quoi, 4? Bon, après, on a fait quand même 20k, hein, c'est bien. Et on a eu ça. Non, pourtant, non. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, la stabilité. 100 fois. Mauvaise conscience. Je sais pas pourquoi c'était extrêmement dur comme ça.
Pour moi, il n'y a pas trop de sens. On était dans le... C'est bon, t'as fini de parler. On était dans les bons niveaux. Dans la bonne fourchette de niveau. Je vois pas pourquoi c'était la merde. Intrusion, mentalité, casse-cou permanent. Bon, après ça valait le coup, ils sont tous montés de niveau. Alors, là on a elle, peur de Dieu. On a une antiquaire niveau 1. Yes! Yes, yes, yes. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Suffer not the lame horse, nor the broken man. Est-ce qu'on prend une antiquaire niveau 1? On en a deux, je crois, des antiquaires. Attendez. Presque au niveau max. Oh, c'est quoi ça? Compétence à distance. Précision 15. Vitesse 3. Oh, ça bouge. Ça faisait pas ça avant, si? Ah, c'est parce que c'est de l'or. C'est quoi ça? Dégâts. Juste pour vitesse moins 1. Vache. Ça a l'air pas mal, ça, pistolet de l'ancêtre. Ah, mais c'est même pas, en fait, loqué pour le bandit, en fait. Tout le monde peut le mettre. Donc, compétence à distance, précision 15, c'est énormissime, et de la vitesse. Du coup, si vous mettez, genre, précision 15, vous n'avez pas besoin de mettre un deuxième objet qui fait de la précision, quoi. Alors, attends, par classe, on a... Donc on a 3 soins, niveau 1, c'est bien. On a un hunter. Ah, attends, en jeu, il avait pas ce skin. Il avait pas ce skin, si. Parce que je suis d'accord, on est bien d'accord que... Putain, il faudrait que j'arrête l'enregistrement et je regarde, parce que là, je deviens fou. Parce que je me suis dit, quand on était dans le donjon, il avait pas ça, il était pas comme ça. Je crois bien. Alors, on a 3 machins. 3, je sais pas trop si on le garde. Ce que je voulais voir, c'est... Donc, 3 soins. Alors, on a 2 antiquités. C'est des... C'est ça? Ouais, antiquaire. Antiquaire, ruine. C'est quoi ça? Enthousiasme extrême, au premier tour. Précision, dégâts et crit. Waouh. Au premier... Mais c'est énormissime, enthousiasme extrême. Putain, c'est énormissime. Vache. Ah non, on a ça, c'est bien aussi. Après, ça lui sert pas à grand chose pour elle, hein. Voire à rien du tout, mais putain, je voudrais bien que les autres aient ça, moi. Incroyable. Bon, on fait voir le stress. On a eu que des bustes. Tout. Oh, le stress. Toi, tu aimes faire quoi? Ne fais que boire. Ok, super. Bah sur le coup, je suis niqué. Très bien. T'as quoi? Ça offre une torture morale. Épée, robustesse, non. Qui c'est qui a eu un truc vraiment bien? Je sais plus. Bah c'est lui en fait, c'est le hunter, il a eu... En fait c'est la stabilité qu'il faudrait lui mettre. La spiritualité, je suis d'accord, c'est bien. Mais la stabilité, c'est vachement bien.
On peut... pédiophobie, là. Faut l'enlever. Oui, parce que si on, on met des trucs, en fait, de dégâts, on met toujours, genre, 13 plus... stress, pardon. Pas 13, stress. 20%, des trucs comme ça. Donc, on va devoir... on va devoir faire en sorte que, du coup, il garde ça. Comme ça, ça sera moins chiant. Et on va enlever ça. 9000, encore eux que... On a de l'argent. Hein. Alors, il y a Faram qui est trop, Gwendoline qui est trop, même elle à la limite. Alors, toi tu fais quoi? Toi t'es un flagellant. Infirme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a infirme aussi, lui. J'avoue que infirme, ça fout un peu la merde. Je crois qu'elle aussi, on va la faire déstresser, parce que commencer avec 58, c'est quand même beaucoup. 1700... Heureux qu'on a, comme j'ai dit, récupéré de l'argent et on a un peu géré notre run. Parce que sinon c'était vraiment pas bénef du tout hein, de partir vite et tout ça. Alors... Ah, on a un soin. Est-ce qu'on peut faire une équipe de niveau 1? Fais voir ce qu'il y a après. Alors, là, il y a le pistolet qui est intéressant. Donc, précision et vitesse, j'avoue. Ça, c'est l'antiquaire. Alors, ce brassard, il a l'air honnêtement vraiment pas mal aussi. Dégâts 20 comme ça, là, pour juste vitesse moins 1. C'est un long champion. Non mais on n'a pas l'équipe là. On a le docteur de près, 1, 2, 3. Et après on n'a pas. Après c'est du 4. Ouais, long champion, faut peut-être pas exagérer non plus. On est d'accord que les niveaux 6 ils peuvent y aller. Ouais. Non, long champion ça ira pour le moment. On va peut-être pas y aller. Je dirais pas non pour ça. Pas non pour les sacs de grains. Après, est-ce qu'on peut faire un niveau 1 faut voir. On a un soin. Un soin. On a même elle qui peut servir de tank. Enfin, de faire tanker. Après, on a... Endurance œil de lynx, ça c'est le chasseur. On a le chevalier Gaël. Je pense qu'on peut faire une équipe. Je pense qu'on peut faire une équipe pour tester le DLC, je dirais. Allez. On va voir. Par contre, je voudrais voir si ça va me prendre un tour. Genre une semaine. On est à semaine 38. Alors. On m'a dit que ça, c'était... Ouais, c'était une sorte de truc de vague, là. Donc, on va voir. Niveau. Donc, soins... Ah oui, on a elle aussi.
On a peut-être pas besoin de prendre elle. Faudrait pas quelqu'un qui buff si c'est des ennemis en vague. Non, j'en sais rien. Genre toi tu peux te soigner et tanker. Ah oui, il y a lui, je sais pas comment... Pardon. Je sais pas comment on le joue, lui. Alors, sur soi, bonus sur cible. Crit, sur soi dégâts. Assez, mélodie exaltante. Stress. C'est un peu bof. Le chien. Bof, je suis pas très sûr de l'équipe. Toi, Gal, tu vas être bien. Verdrum aussi, je pense. Furnival. Et après, en dernier, il faudra un truc qui tire. Mais je pense que le Dark Wave pourrait être mieux. Alors, fais voir un peu. Là, tu tapes. En fait, faut te mettre là. Et on aurait de l'étourdissement en fait. On fait. Il peut faire étourdissement. Ramener une personne. Taper à la hache. Là on a. On a aussi du saignement machin patin couffin. Sur soi, protection 22, marque, etc. Après, il y a Purge qui peut être intéressant, mais on ne va pas en avoir besoin si on, si on a lui. Ok, ça peut être pas mal comme équipe. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, donc ça, ça marche tout le temps. Hein. Ça marche tout le temps. Alors, un mec qui va vite, faudrait lui mettre de la vitesse à lui. Comme ça, il peut stunner directement, ce serait bien, je pense. Genre ça. Toi, tu pourrais avoir PV esquive. Lui, il lui faut des dégâts. Donc on a dégâts et précision. Précision et crit. Ah oui, mais non, mais l'esquive, hein, l'esquive va être un problème. On peut mettre ça à la place. Précision écrite. Je sais même pas comment ça fonctionne en fait. Est-ce que c'est vraiment des monstres qui arrivent sans cesse? Ou alors il y a des pauses? Genre si on se marque avec lui, à la limite. On fait ça. Par contre, je vais mettre celui-là parce qu'on a déjà stress plus 20%. J'ai pas envie d'en mettre encore plus. Donc toi, on peut mettre ça. Dégâts et précision. Ouais, très bien. Précision écrite. Non.
Protection et PV max. Et dégâts moins par contre. Ouais, ça c'est bien. Ah, parce que si on fait tanker le machin et qu'il n'y a que des monstres qui arrivent sans cesse, autant... voilà quoi. Tiens, on a qu'à mettre ça, fais voir un peu. On est déjà à 85%, c'est très bien. Quoi ? 87. Arrête ! C'est... Oh, le 4, le cap, c'est 87%, c'est pas 95, ok. Ah, les enfoirés. D'accord. Ah bah ça. Ça, c'est un peu pute, quand même. Mettre un peu de protection. Il faudrait plus de trucs protection en fait. Le fait de pas avoir d'esquive, moi ça me perturbe. Ok, c'est pas mal. Fais voir un peu si on a besoin d'augmenter des choses. Ah, ça. On a un étourdissement. Pourquoi ça lag? Nickel. Alors, est-ce qu'on doit camper aussi? Bon, après, ils ont tous des trucs, hein, donc ça va. Mais est-ce qu'on doit camper? Sinon, on a mis les choses, ouais. Oh, la vache. Alors, comment ça fonctionne? Non, on n'a pas de nourriture, donc on peut pas camper. Bon, par contre, si on a une pelle, ça veut dire qu'on peut... Poussière déclarifiée pour obtenir un pouvoir d'un autre monde. Mais méfiez-vous de ses effets additionnels, inutilisables par les héros vertueux. Ok. Je vais prendre ça aussi parce que je sais pas trop ce que ça va faire. Had struck the harvest again that year, and the miller was desperate. He came to me, hat clutched tightly in filthy fingers, stinking of sweat and manure. Seated comfortably in my observatory, surrounded by telescopes and other delicate apparatus, I recognized his misfortune as an opportunity, and I agreed to lend him my expertise. Ok. Une lumière dans le ciel, de ciel la nuit dernière, un impact violent, quelque chose s'est écrasé sur le vieux moulin. Cela a l'air sûr pour l'instant. Ouais, merci. Effet sur le groupe. Soins reçus, moins 10%, stress fusif, la miasme de la ferme. Ok. La forêt centrale d'une barrière construite minutieusement autour de la ferme. Okay. En avant.
Oh. La couleur est tellement hypnotique. Vague de monstres et réapparition. Les ennemis vaincus seront vite remplacés par des vagues d'atroces renforts. Votre groupe doit faire face à cet assaut sans pause ou espoir de repos. La nature étrange du temps dans la ferme vous permet de vous replier à tout moment sans conséquence. D'accord. La barre de tuer et les éclats de cristal. Toutes les quêtes de la ferme possèdent une barre de tuer qui sert de mesure à votre puissance et votre ambition. Remplissez-la en tuant des monstres et vous recevrez des éclats de cristal en récompense pour certains paliers. Des récompenses sont de plus en plus importantes à mesure que vous avancez. Dans le hameau, le bijoutier recherche des étranges éclats brillants. Il vous les échangera contre d'incroyables artefacts de pouvoir. Vous le trouverez chez la vendeuse nomade. Ça fait quoi ça? Oh la vache! Vous faites tout ça? Oh merde, j'ai pas regardé ses habilités. J'ai pas changé ses habilités. On n'a pas le stun. Quel débile! Les graines de la folie. Aberration cristalline. Continue the onslaught. Destroy them all. Ah, par contre, de prendre un flagellant, c'est pas top, parce que ça, on peut pas l'utiliser indéfiniment. Parce que si le combat s'arrête jamais... Wow, les cristals, ils explosent. Ok. Bon, par contre, ils mettent toujours l'infection là, ça c'est bien pour lui parce qu'il a, il a infection plus. Donc ça c'est une bonne chose. Ça, ça mélange. Là, je peux le tuer. Their formation is broken. Maintain the offensive. Bon bah déjà, un lépreux est vachement bien pour ici, je trouve. Ils font tous du truc, ouais. C'est bon, ça déjà, on a découvert ça. Faudra le garder en tête. Ah, le cristal. Ah, on a récupéré de la vie en cassant le cristal, ok. Je vais mettre du régène. Ouais, ça en fait un super tank en fait.
Oh la vache, il y a un cheval. Hein. Cheval de labour. Ah, mais c'est que des trucs de la ferme en fait, maintenant je m'en rends compte. Épouvantail. Coquille. Ok. Intéressant. Ouh, cabré. Oula. Doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? The abyss returns even the boldest gaze. Après, je peux l'enlever aussi. Hein. Ok, il peut être saigné. Toi, on va te faire tuer par le chasseur. Le cheval, il a l'air d'être dangereux, donc on va le tuer. Je voudrais mettre du régen et tout ça, mais au final... Ah oui, et ce qui est bien aussi, c'est que ça, ça reste en fait un combat, parce qu'on peut le faire qu'une fois. Donc même la marque, tout reste un combat. Oui, non, ça c'est vachement bien en fait. Oui, il est vachement bien. Confidence surges as the enemy crumbles. On peut te étourdir, c'est un peu chaud. Ah merde. Pâte au sol. Oula. Oh, furtivité. Ça me fait un peu peur par contre. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Mon dieu, il y a deux chevaux. Oh. Piétiné. Ringing ears. Ah, ok. The end approaches. Ok, tu fous la merde quoi. T'es mort. Je peux bouger. Ah. Ah mais attends, là ça m'aide pas en fait. Attends, si je bouge là, lui il va être tout en arrière, il pourra strictement rien faire. Mais en deux, tu peux rien faire non plus. Au moins là, je pourrais jouer. Ah! Je peux toucher l'illumination. Ignore la furtivité, esquive moins 23. Peut-être que c'est des mouvements qui peuvent faire que en furtivité. Non, mais on va faire ça parce que. Sinon, faut que je me replace. Pourquoi tu fais autant de critiques? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Bon bah, complètement inversé. Pourquoi tu fais autant de critiques? C'est ouf quoi. Nickel. On est reparti. J'aime beaucoup le système. Les étoiles sont anormales.
C'est ça, je voulais éviter qu'il fasse ça en fait. Ça va, ça reste en saignement. Ouais, oula, il y en a deux maintenant. Ah, il a tout loupé. Nickel. Yes, elle a fait 7. C'est le maximum qu'elle aurait pu faire. Bon, par contre, le cheval, il commence à me faire chier. On peut l'attraper, le cheval. Ou pas. Il va falloir qu'on le tue, le cheval. C'est lui qui nous fait le plus chier, en fait. Ah, j'aime bien parce que c'est son animation, c'est la main rouge là de qu'on peut avoir dans Dark Souls en fait. Vraiment bien faite. Puis il a l'épée aussi. Là, lui, il fout vraiment la merde hein, quand même. Bon, ça va. Nickel. A momentary abatement. Bah, cette équipe est pas si mal, je trouve. Mais il y a plus personne. Je fais comment, moi? Allô? Ah, merci. Quoi? Sommes-nous des idiots, quoi? Faut plus d'AOE, en fait. À la limite, j'ai envie de dire. Eux, on va les faire saigner à l'arrière. Avec de la chance, on les tue, en fait, en saignement et basta. Normalement, ça va se transformer en cristal, si j'ai bien compris la mécanique. Au prochain tour, ouais. Okay. Voilà, très bien. On récupère de la vie grâce à ça. On peut pas enlever le saignement, par contre, ça c'est sympa. Ah, mais non, mais si, j'ai des objets, putain, c'est trop utile. Idiot.
On approche encore et toujours. Ça va. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ah, il faut détruire les cristaux pour récupérer des HP par contre. Si tu, on les détruit, genre les carcasses, ça marche pas. J'imagine qu'il va avoir un boss. Très bien. Nickel. On arrive à la fin. Ce qui est bien, c'est que lui, il peut régène en fait. Enfin, ils peuvent tous faire quelque chose, même s'il n'y a personne. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être lui, à la limite, il peut pas. Allez, ça recommence. Obliterated. Ouais, je peux pas. A singular strike. Nickel, il va mourir direct. On n'aura pas à se soucier du cristal. Là, on a une bonne équipe. Donc, on a. Donc, le lépreux à 100%, il faut le prendre. Ça, c'est 100%, il faut le prendre. Le chasseur de primes est pas si mal aussi. Parce qu'en fait, il peut attaquer à plusieurs endroits. Genre, au moins, il a 3 emplacements. Parce qu'il y a ce putain de cheval là qui fait chier. Ah mais le cristal il est... Ah oui mais si je peux le faire avancer. Et on peut faire ça aussi. Et après bon le flagellant il peut mettre du régène un peu à tout le monde et tout ça. Donc à la limite... C'est pas si mal. Les étoiles sont anormales. Mais pour tanker, ouais, c'est le top. On n'a pas besoin de lui remettre le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il peut se soigner. Pause dans le labeur. Ok. Il faut absolument tuer lui parce qu'il est relou. Bah, une équipe comme ça, je la trouve très bien. Il n'y a que le chasseur de tête, là, d'homme, de prime. Qu'on peut peut-être changer pour autre chose, mais je sais pas quoi. Genre un DPS qui serait bon dans n'importe quel sens. Je sais pas. Ah merde. Je voudrais le saigner au maximum, mais avec la première attaque, ça fait plus de saignement. C'est bon. Il va saigner, il va pas faire de cristaux comme ça. Be wary. Cool. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Pas mal. Bah c'est vachement bien en fait ce truc. Ah c'est marrant. Il y a les cadavres. Tuer 20, collecter 12.
très bien comme, comme chose. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Ah si, ça compte. Ouais, on était à 38, je crois bien. Ouais, Donc faut faire attention à ça. Ah, la pieur de tombe, du coup, en fait, ça, c'est le normal. Après, j'ai Carian, je crois, de Dark Souls 1. Et après, j'ai le Abyss Watcher, je crois que c'est. De Dark Souls 2. 2 ? 2 ou 3 ? 2, je... Non. 3. 3. Bah c'est pas mal. Bon après ce qui est chiant c'est qu'elle a un truc de merde. Crit moins 2. Après au naturel, oui bah, c'est sympathique quoi. Mais... Du coup j'ai pas de place. On a déjà un chasseur là, on peut peut-être virer le chasseur qu'on a. Comme ça, on a des trucs un peu différents. Ah mais ça c'était un niveau 1 qu'on a trouvé. Alors à la limite on vire lui. Oh putain oui, c'est vrai qu'il avait des choses super bien qu'on a payé. Toi t'assures tes gardes aussi, t'es bien. Toi bof, toi... Non toi, toi on te vire toi. Toi le chien je... Those without the stomach for this place must move on. Nickel. Du coup maintenant c'est du niveau 3. Éliminer un meunier. Et est-ce que ça du coup c'est une mission normale ou pas? Ah du coup. Enfin, ah, bon, enfin il y a des provisions mais. Ah moyenne, mais bon. L'espace semble se replier sur lui-même. Plus vous, vous rapprochez de l'endroit où le comète s'est écrasé. Où sont passés les meuniers et sa famille? Ok. Du coup, on a 12 cristaux. Fais voir un peu. Donc, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est ça, là. Les étoiles. Non. Donc, ça, c'est pour simplement échanger à la roulotte. Alors, on en a 12. Ça m'étonnerait qu'on puisse acheter un truc. Ouais. Cristalline, ignore la furtivité, change de vertu. Compétence de soins plus si haut bénite dans l'inventaire. Dans l'inventaire? C'est quoi ces nouvelles choses? Si biscuit pour chien dans l'inventaire. Uniquement au brise-bouclier, dégâts 15% lors d'une attaque. Cible aléatoire 5%. Ah, c'est des accessoires à condition en fait, non? Les coquilles. Éclat de nez plus 15%. Ouh, esquive 20. Esquive 35, si poussière d'éclat dans l'inventaire. Ah, ben parce que vu que c'est des combats en fait qui s'enchaînent, moi je pense que c'est comme ça en fait. Ils vous mettent des choses assez puissantes, genre esquive par exemple plus 15.
si vous gardez au moins une herbe médicinale dans l'inventaire. Donc ouais, c'est comme si en fait vous aviez des skills genre de campement par exemple, des compétences de campement, c'est aussi puissant que ça presque. Donc ouais, c'est intéressant. Dégâts 20, compétences et licences, critique 7, lors d'une attaque sur soi, stress plus 3, chance 25%. C'est intéressant, c'est pas mal. Bon, par contre, ça me prend des... Ouais, du temps, quoi. Oh, c'est quoi ça? Faites-vous un chemin vers le bas, pollution. Les choses des étoiles rôdent ici cette semaine. Vous risquez de la croiser. Oh, merde! Ah oui, maintenant, vu que j'ai commencé ça... Ah, oh, putain. Du coup, j'ai des créatures qui peuvent apparaître dans les autres endroits. Ah ben, merde, alors. Ah ben, bravo. Eh ben, bravo. Bon bah du coup bah eux c'est fini. Mais je sais pas quoi faire en fait. Bon ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Oh la vache les mecs quoi. Alors... Le chasseur. Toi, t'aimes faire quoi? Pas grand chose. En ville, ne fait que boire. Ça va, j'ai compris. Très bien. Après, on a Darfrey, ça va. Le docteur, ça va aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On refait un coup des cristaux là? Donc, il me faudrait une équipe de vétérans niveau 3. 4, évidemment. Donc, 5, ça passe pas, on est d'accord? Oui. Donc, 4. Giant Dad, il est 3. Bam, bam. Ça me plaît, ça en fait. On va faire encore un run. Après, on a lui. Allô, le jeu. Peau dure. Les deux ont la peau dure en plus, c'est pas mal. Ça me paraît être une bonne équipe déjà. Toi. Il me faudrait un truc qui puisse toucher un peu n'importe où après. Genre là, ça fait un peu dégâts, 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 quoi. Oui, c'est vrai qu'on a elle aussi. Ah mais non, mais 4. Ah mais si, si, c'est bon, putain, je suis bête. Pourquoi je me fais chier là? On pourrait mettre elle pour soigner à la place, peut-être?
peut-être mieux. Enfin, je pense que lui peut se débrouiller en fait. Entre le régène et tout ça. Après, à la limite, on peut faire ça. Est-ce qu'ils avaient une résistance à l'infection? Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'ils avaient une résistance à l'infection. Donc on peut étourdir, infecter. Toi, tu peux attraper. Faire des dégâts. Ah tiens, on pourrait mettre l'étourdissement aussi. Ça peut être pas mal. Il n'y a que ces deux-là en fait qui ont un problème, ils peuvent pas taper de bah, d'où ils sont en fait. Enfin, s'ils bougent de leur poste. Ouais, ça m'a l'air pas mal là comme équipe. Ça m'a l'air potable. Ça en fait de l'argent. Ça en fait de l'argent. Non, attends. Esquive et PV. Oui, non, mais d'accord. Précision moins, non, ça ira. Précision écrite. Protection et PV. On avait un objet pour la précision crit. Pam pam. Je lui mets un peu de protection parce que, quoique non, il en aura peut-être pas besoin vu qu'il va se mettre la protection sur lui-même. À la limite, ça passe. Pas besoin. Donc il lui faut juste de la précision. On peut faire ça. Précision de crit. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Toi, par contre, on pourrait te mettre ça. Après, pour... Ah oui, on n'avait pas débloqué un super truc, là, pour... Très rare, voilà. Étourdissement et infection. C'est pas mal. Voilà, là, on n'a que 15%, en fait. Esquive et PV. Ou alors, dégâts... Non. On n'a pas un anneau qui fait... Voilà, protection, max PV. Ah ouais, non, mais d'accord. Ouais, mais il va en chier niveau stress, en fait. Pour lui, on a quoi d'intéressant? Dégâts, précision pour la torche. Ah, par contre, il n'y a pas de torche. Est-ce que c'est considéré genre la nuit ou c'est considéré la journée? Je dirais que c'est considéré comme si c'était le jour. Mais je sais pas. Enfin, s'il faut, c'est considéré comme un du tout. Donc, ça aussi, il faudra le savoir. Je sais pas quoi lui mettre, lui, à chaque fois. Oh lolo. Voilà, tiens, très bien. On a l'infection, 15%.
Non, toi, c'est pas d'infection en fait. Toi, c'est du stun que t'as. Voilà. C'est bon, on a notre équipe. Ça me paraît bon. Alors, hop. Nickel. Donc, du coup, on prend des vivres. Et après, ça. Pourquoi il y a des coffres? Il y a pas de coffre, du coup, on est d'accord? Je comprends pas pourquoi il propose. Ah tiens, on peut poussière d'éclat. Ah ok. Je sais pas. Je prends ça parce que j'en sais rien en fait. Je vois pas pourquoi il propose de la nourriture maintenant. Doit être bête. Parti. Slabs etched with certain celestial designs were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, was cast skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars. Wondering what harvest might come. Ooh. Alors, cela a l'air sûr pour l'instant. Et si tu vas là-bas, il y a quoi? Du tout. Ooh. Nouveau ça. C'est nouveau. Évidemment. Ils ont beaucoup de résistance contre les infections, en fait, quand même. Très bien. L'autre, il va nous faire chier. Confidence surges as the enemy crumbles. Détruire cette merde. J'ai un peu peur de taper en fait. Ah, il prend pas de dégâts quand c'est son tour. D'accord. Tu peux voir ça? Ok, très bien. Ah, mais c'est résistant à tout, j'avais pas fait attention. With impunity.
Cauchemar d'un fou. Très bien. Trois, cinq. Et merde. Plus ça débuff. Continue the onslaught. Destroy them all. C'est simple, j'aime bien, parce que en fait faut c'est un peu stratégie dans un sens et tout, c'est marrant. J'aime bien le côté un peu pas, genre on trouve, on tombe sur des trucs qui font méga mal et tout et vous pouvez rien faire. Je préfère les trucs un peu comme ça là, qui sont pas trop puissants mais on prend notre temps. C'est le skin est super, super joli. On va devoir temporiser un peu avec lui. Bien. Ok, on a parfait. Ah, les chevaux, il faut absolument les tuer avec avec des dots. Ah, oh, on aurait pu le tuer là. Très bien. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il commence à être moins. Donc en fait, on a un temps pour tuer un certain nombre, je pense. Ouais, genre là, il n'y a plus grand monde en fait. Il approche encore et toujours. C'est quoi ça? Oula. Oula, c'est quoi? Chance d'infliger une infection à 10%. De plus 10%, durée de l'infection plus 50% quand appliqué. Vitesse. Remuer la population. Hein? C'est marrant. Contre-maître. Hein. On peut te bouger. On va d'abord tuer lui. Nickel! Puis après, je crois qu'on a des babioles en fait quand même vraiment puissantes. Oula, oui, c'est le bonus. Très bien, maintenant on va le doter. Ouais, on a des babioles assez puissantes et... Ça rajoute un peu de facilité, on va dire. Faudra le doter avec lui, en fait. Toi, tu vas te prendre des gros dots. Voilà, très bien. Très très bien.
Plus le cheval qui nous fout dans la merde pour le moment. Voilà, très bien. J'ai rien dit. Puis en plus on peut temporiser en fait à l'infini dans un sens. Donc c'est intéressant. Exposed to a killing blow. Oups, ça c'est de la merde. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ah, ça va, lui, on pourra le faire passer, ça va. Voilà. Ah, tu nous fais chier quand même, hein. Approche encore et toujours. Ringing ears, blurred vision, the end approaches. Voilà. Je me demande s'ils peuvent taper en arrière en fait. Ok, on est bon. Voilà, toi crève. Oui, bah apparemment oui. Ah non, mais c'est la, l'attaque de Kristan. Très bien. Parfait. Ah, ils sont pas immunisés contre l'infection, mais ils ont une bonne résistance, donc on a bien fait de lui mettre le la babiole en or là. Ah merde. Cristal. Another abomination cleansed from our lands. Ah, zéro. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Puis le fait qu'il puisse oula, au-delà de l'espace-temps. Qu'est-ce que some sheltered corner of reality. What the fuck? Éclat de comète, enfin une raison de sourire. Ces éclats changent, réfléchissent des teintes indescriptibles qui transcendent l'espace-temps. Ok. Est-ce qu'on peut camper? Euh,
On peut pas manger. Ah aussi. Et là, je retourne en combat. Les couleurs s'alternent, grandiose. Oh mon dieu. Lost in time and space. What the fuck? Death waits for the slightest lapse in concentration. Grandiose, effet sur le groupe. Chance de vertu plus 5, compétence de stress plus 20. Effet sur les monstres et les stances. Ok, on peut. Ok. Du coup, c'est bien pour nous. Precision and power. Stop, stop les critiques de foule. Their formation is broken. Maintain the offensive. Oh, c'est de la merde. On n'a pas ça. On n'a plus la protection. Oh mon dieu. Oh, ça c'est un gros problème par contre. Donc, bah au final, c'est pas si bien que ça. Merde. Ah, ils vont taper un peu partout, quand même. C'est chiant. Ah, bravo. Ça fait un cristal ou pas? Non, ça fait un cadavre. Il y a un peu de tout en fait maintenant. Oh là là! Je sais pas si on va arriver au boss. Putain, ça me fait chier qu'on n'ait pas l'habilité. Ah, ça c'est. Ça c'est de la merde ça. Un point d'HP. Ah! Ça fait bien des cristaux. Sans déconner, je peux rien faire là. Impressive. Quelle merde. One can sometimes find clarity in madness, but only rarely. Évidemment.
Ah! C'est beau ça! Oh, je peux plus les faire ces grenades là. Ah ouais, tout ce qui est limité en fait c'est la merde. Ok. J'avais pas pensé à ça. Ok. Bon bah c'est bien parce que c'est ce que j'aurais fait. Donc ça va. Ça sert strictement à rien, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ah, la musique est cool. Après, on l'a équipé comment? Avec les coups fatales 85%. Ah, il a... pas de... il a de la protection. Honnêtement, il est pas si mal, hein. Faut juste maintenir son stress bas, quoi. C'est un peu le problème, en fait. Je vais maintenir son stress bas, c'est compliqué. La musique est vraiment cool. On va faire ça, ça va faire des dégâts et tu vas mourir. Donc il faut un truc pour déstresser en fait. Rêve de l'endormi. Instruments pause, but the symphony will soon continue. Okay. Un peu chaud là, non? On continue comme ça. En fait, on a un problème avec le stress, quoi. Pourquoi je me mets... je peux les regarder, là. Alors, si j'enlève ça... Ah ! Désolé. Pour éviter de stresser trop vite. Rose of Earth, filled with blood. Alors je pense que les... il y a d'autres classes en fait qui seraient nettement mieux. Ah, j'ai pas changé ça, mais quel débile.
trop débile que je suis. Allez, il va mourir. Ouais, on veut peut-être pas qu'il buffe le cheval, lui, hein, par contre. Ah mais merde, il fait 14 de dégâts. Ah ça y va le stress. Ah bah bravo. Ouais, il nous faudrait quelque chose pour virer le stress, je sais pas quoi honnêtement. Je sais que peut-être le... Comment ça s'appelle ? Le bouffon, je crois, il est bien. Après lui est pas mal hein, aussi, même s'il est stressé. Hein. Ah, la musique est cool. Non. Faut que je pense à ça, putain. Bien, stress en moins. A decisive pummeling. À la limite, on a le... Comment ça s'appelle ? Le... Vanguard qui peut nous aider ? Homme d'armes, là. Masterfully executed. Après lui il est bien, c'est juste qu'il y a pas, il y a plus, on a plus ça quoi. Donc je vois pas trop comment. Ouais, il nous faudra un autre tank en fait, parce qu'en... Enfin ouais non, il faut un tank. Après est-ce que ça c'est marquage à vie intimidé? Ah.
À la limite, ça, ça peut être mieux. Le marquage à ville. Enfin, le marquage. Pardon. La chose pas limitée, en fait. Ou alors, on le garde pour le dernier combat. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Ah non, j'ai pas enlevé ça. Je le soigne absolument. Très bien. Ah, x2. Festering fear consumes the mind. Wow. Bien joué. Stop les critiques. Merde. Ok, là ça va être la merde. Ouh la vache. Le corps résiste, mais l'esprit flanche. On est bon. La musique est top. Whoa. From the comet's maddening light. For now. Qu'est-ce qu'on fait, on teste? There can be no hope in this hell. No hope at all. Qu'est-ce qu'on fait? On teste le combat de boss. Ça va être chaud, non? Dans un sens, j'ai envie, moi. Mais on peut l'utiliser, ça? Non. Rejoice at the familiar sight of mud, rain. On peut pas le faire saigner. Ouais, c'est un squelette.
pauvre âme. Non, il nous faut de l'infection. Ah super. Well struck. Ah, il peut même. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrier agricole gelé. Wow, compétences de protection désactivées. Ça veut dire quoi? Ah, on peut... Ok, il est protégé. Non, mais j'aurais pas dû faire ça. Oh là là. Oh la putain de toi. Faut plus de dégâts, les mecs. Oh. Ok. Eradicated. Bien joué. Pas vraiment bien là. Mec, il résiste tout le temps. Oui, il esquive aussi, ça c'est bien ça. La moisson. J'aurais dû peut-être tuer ça. How quickly the tide turns. Oh mon dieu. Vigueur. Ok. Adversity can foster hope and resilience. Ouais, laisse-moi te soigner. Merci. Mais lui... Oh mon dieu... J'essaye de faire des dégâts, mais là, on est très très limité. On va essayer de tuer avec Giant Dad. Le cristal. Si l'infection, elle passait tout le temps, honnêtement, ça fait un moment qu'on serait déjà mieux.
terrible assault cannot be left unanswered. Là, qu'est-ce que c'est beau. Très bien. T'as toujours le debuff du soin. Ouais. Je vais l'enlever ou pas. Pas tout en tout cas. Y'a rien qui stick, hein. Y'a rien qui fonctionne. Hein. Entre le saignement et l'infection, c'est de la merde. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Il est pas dur, hein. C'est juste qu'on n'a pas nos habilités. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. On n'a juste pas nos habilités. C'est une catastrophe, hein. Elle est toujours protégée. Bon, ça c'est bon. La récolte, pourquoi sur lui? Fais pas de marque. Unnerved, unbalanced. Et le mec il te sort des putains de critiques de fou. Pas fini. Hein. Non, 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 non. And now the true test. Hold fast or expire. Ah putain, il a joué sans moi. On est bon ?
Oh mon dieu. Oh mon dieu, on se casse. J'y crois pas. On a survécu parce qu'on a mis 2x6 du coup. On a mis sur 2 tours l'infection et ça a marché. Il avait plus que 12 HP. Oh, oh mon dieu. Oh, il me faut une putain de pause. Il me faut une bière et je vais me faire à bouffer. Quoi. Oh la vache. Ils ont rien eu de mauvais. Wow. Alors là, pour être juste de juste de juste. C'est quoi ça? Alors, recrue affamée d'éclat. Un groupe spécial de héros champions sont venus répondre à l'étrange appel de la comète. Ils ont soif du butin de ce vaisseau surnaturel et ne peuvent être utilisés que pour la quête de la récolte, sans fin dans la ferme. Ils peuvent être trouvés à côté de la diligence. Oh mon dieu, t'es sérieux? Ils voient double après une longue nuit de beuverie. Mais il souffre plus de désespoir en tout cas. Non mais sans déconner quoi, c'est quoi cette équipe? Non par contre niveau argent c'est pas trop ça. Ah là on a rien. Fait glisser héros dans la liste de recrues pour recruter. Mercenaire médecin de peste. C'est quoi tous ces messages? Okay. Donc c'est directement des niveaux 6. Donc c'est directement des personnages maximum, mais pour quoi faire? Je dis pas non, hein, mais pourquoi faire? Ouais, mais c'est plein. Bon. La récolte sans fin débute. Le meunier vaincu, la ferme s'enfonce encore davantage au-delà de l'espace-temps. Rassemblez un groupe et faites face aux choses étranges qui vous attendent dans les récoltes sans fin. Tu as autant d'ennemis que possible. Sans fin. Reflet noir. Ah. Ouais. On a perdu quand même des mois, des semaines. Ouais, on est à 40 semaines. Donc là, on a le truc sans fin, genre pour farmer des cristaux. Je pense. Par contre, ça sert à quoi de... Tu vois un peu 3 pour 1, 2... Ouais, ça peut être pas mal. Et le moulin, c'est vraiment pas mal, ça. Je vais regarder un peu ce qu'on pourrait prendre et je vais m'arrêter là. On a 47 cristaux. Je me demande si on devrait pas mieux les convertir en trucs comme ça là. Le mieux. Ce 16 par exemple, protection plus 40 quand coquille attaque. Uniquement pour l'occultiste. Protection plus 30% quand horreur attaque. Ignore la furtivité, crit si poussière d'éclat dans l'inventaire, champ d'infini à l'étourdissement, précision 15.
Mais ça veut dire quoi, cristalline unique... Genre, on peut le mettre que quand on fait du crist... de la farm, là. Quoi que je regarde, ça. Esquive plus 35, ouais, anti-cœur. Ah, je pense que je vais convertir les éclats, honnêtement. Eh ben, on a vraiment failli crever, là. Alors là... Vraiment failli crever. Du coup, ça marchait bien, là. Ah non, c'est pas lui qui a résisté, c'est le... Là, c'est les deux, là. Giant Dad a bien marché aussi, c'est juste que c'était un peu compliqué. On a appris que les habilités qui sont limitées en... Par tour, bah c'est la merde pour ce genre de jeu. Dans ce genre de gameplay. Il nous faut de l'argent. Ah, je vais lui regarder ce qu'ils veulent faire les autres. Ouais, non, toi t'es là, toi aussi. On n'a plus d'argent. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps qu'on n'a pas vendu de... Ennui, genre de vertu, on s'en fout. C'est une maladie l'ennui. On peut vendre des breloques, c'est pas vraiment un problème. Ah, lui il peut que jouer. Non. Un ville fréquente uniquement les maisons closes. Ah, ok. Ok. Bon, bah ça sera pour la prochaine fois. Bon, déjà on en a trois qui vont se reposer. C'est bien. Alors, l'antiquaire, compétence de soins plus 50. PV max. Mais attends, 50% sur quoi? Genre sur 2 HP quand elle, avec son truc de soin. Alors, on a un autre anneau de concentration. Qui est pas mal. Champ de vertu. Uniquement pour le flagellant. Résistance au coup fatal 10, esquive 20 à l'agonie. Dégâts 20% si stress supérieur à 85. C'est pas mal. Esquive 20 à l'agonie. Ça peut être intéressant. Et après on le mettrait avec, avec ça. Genre il a de l'esquive en plus, tout ça, résistance au coup fatal. Ouais, ça a l'air intéressant. Esquive 20, en fait, ça va contrer le fait que il a le debuff de moins 20. Donc à la limite, ça c'est pas mal. Après les dégâts augmentés, c'est pas énorme. Après stress supérieur à 85. Genre, ouais, entre 85 et 100, il y a très peu de chances de... Enfin bref, pour maintenir son stress haut, et avec ça, du coup, il aurait des dégâts encore en plus à l'agonie. Ouais. Il y a peut-être elle avec le casse-cou. On testera elle. On testera elle un jour quand on l'aura bien équipé et tout ça. Peut-être qu'on la testera, on la mettra. Genre à l'agonie, on la soigne pas et on voit si elle arrive à survivre. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. On a vu que c'était limité à combien? 87, je crois. 87%. Donc ça peut être intéressant. Avec l'objet. Genre elle le... Donc elle gagne pas d'esquive du coup. Mais elle l'en perd pas. Elle fait moins 20 plus 20. Mais là, par contre, elle gagne plus 20, plus 15 avec les PV inférieurs à 25%. Donc, le fait de
pas se faire vraiment toucher. Plus le fait d'avoir genre 87% de résistance au coup fatal. Ça peut être intéressant. Ouais, on va essayer de faire celui-là la prochaine fois. Est-ce qu'on a une équipe? Ouais, on a une équipe. Ouais. Bah tiens, on a un truc. Ben, y a ces deux-là, il faut qu'ils enlèvent leur maladie. Donc on va en profiter. Et on va prendre des niveaux 5 et les monter. Ouais, ça marche. On va faire ça la prochaine fois. Faudra qu'on regarde ce que c'est les choses des étoiles Rod. Ouais, c'est pas mal. Et ça, la farm infinie... Ah mais c'est une farm infinie en plus ténébreux, ok. Putain. Après je dis pas non pour les autres objets. Les autres objets sont super sympas. Hein. Genre celui-là là. Et à un moment ou à un autre, il va falloir aussi aller au donjon ténébreux. Quand on aura une full équipe à 60. À 6, pardon. Ah, quoi qu'on peut peut-être y aller. Genre là, les 4 là. On verra. Faudra que je décide. Ou le donjon ténébreux, ou alors... ça. Je pense ça, honnêtement. Allez, on va s'arrêter là, parce que ça fait très longtemps, il faut que je m'arrête. Ah, le jeu est cool. Le jeu est vraiment cool. À la prochaine, ciao.